Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isawatt, créatrice de jeux de cartes oracle et cartomancienne. Et je vous retrouve avec un très très grand plaisir pour vos guidances du mois de septembre. Donc j'ai fait une vraie interruption hein, cet été. J'ai pris de vraies vacances. Donc je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Même si j'espère vous avoir manqué un petit peu, bien sûr, puisque je n'étais pas là. J'espère aussi que vous avez tous passé des super vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien en forme. D'autant plus qu'en ce moment, avec les énergies actuelles, on peut expérimenter notamment des troubles du sommeil assez importants. Donc je ne sais pas si vous êtes touché par ça ou pas, mais pour certaines personnes, on peut dormir une nuit sur quatre en ce moment ou quelque chose comme ça, dormir normalement. Hein. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop impacté par ces perturbations-là. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, il m'est arrivé un truc un peu rigolo cet été. C'est que j'ai appris que quelqu'un a écrit une chanson sur moi. Donc c'est très surprenant, c'est très très émotionnant. Une chanson, alors pas forcément sur mon activité professionnelle ici, hein, mais plutôt sur ma vie, ma petite vie quotidienne dans ma campagne. Voilà, donc et ben, si vous avez envie de faire un tout petit peu plus connaissance avec moi, et bien vous pouvez aller écouter cette chanson. Donc elle s'appelle Coloré et c'est Jeanne le Dino Artiste. Vous trouverez ça sur YouTube. Hein. Alors Jeanne le Dino comme le dinosaure, hein, le dino, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Vous verrez, bah, en fait, elle parle de moi, cette chanson. C'est très très spécial hein, d'écouter une chanson et puis de comprendre tout à coup qu'en fait on est en train de parler de soi. Donc voilà. Bref, si vous avez envie de faire un petit peu plus connaissance avec moi et aller soutenir cette jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, et bien ma foi, allez écouter cette chanson sur sa chaîne YouTube et puis allez lui mettre quelques petits likes. Donc ça s'appelle Coloré. Voilà. Eh bien écoutez, trêve de blabla, hein, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais vous dire. Donc je vais vous laisser maintenant sans plus attendre avec vos tirages par signe astrologique pour la guidance du mois de septembre. Donc voilà, sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite avec vos tirages par signe. À tout de suite. Et bienvenue dans la guidance mensuelle des lions. Chers amis lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc bienvenue dans cette vidéo que nous allons commencer avec une carte de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Cette carte va nous donner, je l'espère, eh bien, un petit peu l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous, l'ambiance générale ou le sujet général, la couleur de ce mois de septembre, donc pour les lions, s'il vous plaît. C'est parti. Alors vous le savez, hein, c'est également valable bien sûr pour les ascendants lions, pour les lunes en lion, pour les Vénus en lion, hein, pour la partie plus sentimentale qui viendra ensuite. Alors, quelle couleur pour les lions? Oh, nous avons lilas délicat, plutôt une couleur de printemps, n'est-ce pas? Je transforme mes hésitations en un calme certain. Alors peut-être ici, nous parle-t-on d'une période de vie où vous pourriez être un petit peu sollicité de toutes parts, peut-être, ou avec, comment dire, tout un tas de voies différentes qui s'ouvriraient à vous. De choix possibles, d'activités possibles. Il y a sans doute des choix à faire, des options à prendre. Et vous pourriez, sur ce mois de septembre, eh bien, être un petit peu, comment dire, bousculé ou dans la panique face à toutes ces options qu'il vous faut choisir. C'est vrai que quand on a un tri à faire, des fois c'est un petit peu difficile. Et là, on vous demande justement de ne pas céder en quelque sorte à l'affolement ou à la panique et revenir en vous à une certaine forme de calme et de sérénité de manière à ne plus subir en fait ces hésitations hein, face à tous ces choix.
Bon, est-ce que ce sont des options hein, pour les étudiants? Est-ce que, voilà, ça, évidemment, hein, ça peut nous parler de tout un tas comment dire, de sujets différents, hein, ces hésitations. Dans quel domaine allez-vous les vivre? Eh bien, ça va forcément être un peu différent pour chacun d'entre vous. Mais voilà, surtout, ne paniquez pas, ne vous retrouvez pas comme ça dans cette situation de « Ah, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça, mais peut-être qu'il faut que je fasse ça, mais peut-être ça, c'est mieux. » Voilà. On se calme, on revient à soi, on respire un grand coup et on essaye de retrouver ce calme intérieur là, avant de pouvoir vraiment sortir de l'hésitation, c'est-à-dire faire le meilleur choix possible. Alors, eh bien, nous allons demander un message général hein, pour commencer cette vidéo guidance. Donc, un message général que je vais prendre avec le tarot. Donc, du coup, c'est le Naïf Tarot que je vais utiliser. Hop, on a un 4 de bâton qui a sauté. Donc, quel message général pour les lions, s'il vous plaît? Alors voilà, donc un premier petit tableau, je garde le jeu sous le coude au cas où. C'est parti pour vous, mes amis lions, As d'épée en plein centre. Ah bah alors d'accord, vous, ok. Donc là, effectivement, cet appel au retour au calme, je le comprends un peu mieux. As d'épée en plein centre, vous êtes sur ce mois de septembre dans une énergie extrêmement dynamique. De nouveaux départs, mais quelque chose qui claque, quelque chose qui tranche. C'est un nouveau départ qui peut être voilà, brutal. C'est un nouveau départ déjà dans le mental pour commencer, donc une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Là, vraiment, comme s'il y avait une toute nouvelle lucidité qui vous parvenait, une toute nouvelle façon de percevoir et de voir les choses, une nouvelle façon d'y réfléchir. Hein. Bon, une énergie très très forte hein, avec cette as d'épée en plein centre de votre message. Il y a un grand coup de balai, il y a un grand coup d'air frais qui vous arrive dessus là sur ce mois de septembre. Peu importe le sujet, ça peut même être général hein, dans votre vie globale. Bon, on a pris une décision, ou il y a une décision à prendre aussi souvent hein, avec l'as d'épée. C'est pas impossible. Un nouveau départ, un rebond, un effet rebond avec l'as d'épée aussi. On s'est peut-être écrasé au sol pour un certain nombre d'entre vous, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais et là, avec l'as d'épée, on est dans la phase ascendante du rebond. Wow! Le monde en énergie positive, hein, le monde du bon côté du tableau. Il y a une apothéose, il y a un truc comme un pic. Un moment de vie comme ça où on est quand même ultra ultra épanoui dans une forme de d'épanouissement total avec ce sentiment d'être vraiment parfaitement à sa place hein. On vit vraiment l'apogée de quelque chose enfin ou vraiment un moment de où on se sent vraiment à sa juste place. Dans ce moment de nouveau départ, c'est peut-être pour ça justement. Vous vous sentez vraiment au bon endroit, au bon moment. Vous vous sentez à votre plus juste place et du coup, vous pouvez comme ça rebondir, quoi. Vous pouvez comme ça commencer ce nouveau départ, ce nouveau quelque chose. Donc, cette nouvelle façon de voir, c'est très très puissant hein, comme tirage là. J'en perds presque mes mots.
C'est bon. Et on peut parler d'un voyage, bien sûr. Hein. Si on veut aller chercher la petite histoire, le monde, bon, ben voilà, on peut avoir ici un voyage à l'étranger qui vous a ouvert complètement de nouvelles portes, ouvert complètement votre esprit d'une nouvelle façon. On peut parler de ça aussi. Hein. Ça vous emmène du coup vers un nouveau départ de vie, bien sûr. Une ouverture au monde. Bon, c'est très très chouette, hein. Nous avons l'impératrice, alors en énergie par contre, comment dire, à travailler, quoi, ou la petite chose, la petite faiblesse, ou la petite chose auquel il faut faire attention. Et voilà notre impératrice ici, donc peut-être, comment je vais pouvoir dire ça sans être trop dure? L'impératrice, elle a un petit souci, c'est que souvent elle est quand même assez égocentrée, autocentrée. L'impératrice se regarde beaucoup. Elle se regarde beaucoup agir, elle se regarde quand même beaucoup le nombril. Voilà, peut-être qu'il y a ici, avec ces deux cartes ici, on pourrait quand même y lire un appel à s'ouvrir au monde. Un appel à ne pas rester face à soi-même ou dans son entre-soi, d'une certaine manière, mais à beaucoup plus s'ouvrir vers l'extérieur, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à ce que l'on ne connaît pas, s'ouvrir, voilà, à des choses qui sont étrangères à nous. Il peut y avoir comme ça un appel à l'ouverture aussi, avec cette combinaison de cartes. Et puis l'impératrice, elle est comment dire, elle est assez maternelle, c'est la maman du jeu. Peut-être ici que certaines mamans d'entre vous, eh bien, ont peut-être trop privilégié leur rôle de maman, et il serait peut-être temps ici de varier un petit peu les plaisirs, si je puis dire, de se réouvrir à nouveau vers l'extérieur. Hein. Il y a besoin de mouvement aussi. L'impératrice, c'est quand même un personnage qui est stable, qui est statique, hein, comme l'empereur. On est quand même dans une forme, quelque chose d'assez statique. Alors qu'il y aurait un appel plutôt au mouvement, finalement, avec cette carte du monde. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont des soucis avec leur maman, peut-être aussi en ce moment, hein, ou avec un enfant, ou ont des problèmes dans leur rôle de maman, peut-être à cause de cette énergie de nouveau départ qui vous pousse comme ça, et où peut-être certains se disent, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour arriver à rester une maman et en même temps partir vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle idée? Alors cette nouvelle idée d'ailleurs peut être une idée en lien avec votre activité professionnelle. Hein. Avec la reine de bâton ici, on a quand même quelqu'un, donc plutôt féminine, mais vu qu'on est dans un tirage général, on ne va pas se bloquer là-dessus. Mais on a quand même quelqu'un qui cherche à être son propre patron, à être voilà, sur le devant de la scène, bien sûr, mais aussi à la barre. Hein. Ne plus être pris dans une forme de hiérarchie, être indépendant de ses mouvements, être son propre patron, quoi, tout simplement. Hein. La reine de bâton, c'est une femme indépendante. Voilà, alors pardon pour les hurlements qu'il y a derrière, j'ai prévenu mon gamin que j'allais tourner des vidéos. Il a réussi à ne pas faire trop de bruit pendant. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé le tournage là, mais voilà. Mais malheureusement, il a déjà oublié que je lui ai demandé le silence. Voilà, c'est pas très grave. Hein. J'imagine que plein d'entre vous savent ce que c'est. J'en reviens à ma reine de bâton ici, qui est une forme de prise de pouvoir. On va vers une forme de prise de pouvoir. Vous voulez devenir en fait votre propre chef et être un petit peu sur le devant de la scène. Voilà, vous voulez que ce soit vous, en fait, qui meniez la danse. Je l'exprime par plein de façons différentes, mais en fait, c'est ce que l'on va obtenir, en fait, hein, en résultante de la période de ce mois de septembre, hein, avec ce nouveau départ ici. Donc, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont, oui, s'affranchir d'un certain nombre de choses, devenir plus indépendant par rapport à un certain nombre de choses. Ça peut toucher vraiment la sphère pro, comme je le disais. Ça peut aussi toucher, bien sûr,
d'autres sphères, et ça peut aussi bien sûr toucher la sphère émotionnelle. Nous avons ici un roi de coupe qui chapeaute l'ensemble de votre tirage. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est proche de ses émotions, qui est proche de ses sentiments, qui les vit à fond, qui ne s'en cache pas en fait, et qui les assume. Peut-être, ami Lion, allez-vous être amené d'une certaine façon à assumer quelque chose de vous, à assumer une envie ou à assumer voilà, cette nouvelle vision des choses. Alors, par rapport à votre entourage, par rapport à la vision que vous aviez de vous avant, peut-être, je ne sais pas. Bien sûr, il peut y avoir un homme qui plane au-dessus de ce tirage, puisqu'on a un roi de coupe ici, mais. Bon, je préfère m'en tenir un petit peu à l'archétype en fait de ce personnage, eh bien, qui est voilà, qui assume ses émotions, qui les vit en sérénité, qui est très ouvert, très proche de la nature. Alors, à nouveau, peut-être un appel à l'ouverture. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans une phase ici d'ouverture, à de nouvelles choses, à de nouvelles idées, à des choses qui étaient étrangères à vous jusqu'à présent. Voilà. Et on s'ouvre et on assume aussi cette nouvelle ouverture. Il y a aussi peut-être un petit clin d'œil à Gaïa, ici dans vos cartes, à la nature, à votre lien à la nature et à notre mère nature. Peut-être auriez-vous besoin d'un peu plus chercher ce contact, d'un peu plus vous connecter, passer un peu plus de temps dans cette nature. Voilà, pour vous respecter complètement. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit manque par rapport à ça. Bon, eh ben, un tirage sympathique. Un 4 de bâton en dos de deck, je crois qu'il s'était un petit peu manifesté pendant que je battais. Donc, c'est vrai que il peut y avoir ici. À la clé, alors, ou dans l'air, cette forme de stabilisation. Est-ce que c'est dans cette famille, là, dans ce lieu que vous vous sentez complètement à votre place? Est-ce que c'est ça, au contraire, qu'il va falloir bouger? On ne sait pas vraiment, là, en tout cas pas sur ce mois de septembre-là. Bien. Un message assez fort quand même, hein, avec cette As d'épée en plein centre pour vous, les amis. Là, on a vraiment un coup d'air là, un coup de nouveau départ, un coup d'air frais qui prendra sans doute voilà une forme différente pour chacun bien sûr, mais l'énergie en tout cas en elle-même, elle est très 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 forte. Allez, eh bien je vais continuer. Ah, j'ai pas pris de petit. Je vais continuer avec un focus du coup sur votre vie amoureuse et je vais commencer ce focus en allant récupérer un arcane majeur de notre naïf tarot ici. Alors, quel arcane majeur pour les lions en amour sur ce mois de septembre? Waouh! Ah bah c'est pas rien! Le pape! Alors, est-ce que cette hésitation, est-ce que c'est face peut-être à une demande d'engagement hein, que vous avez reçue ou que vous allez proposer à quelqu'un, une demande en mariage ou voilà, il peut y avoir une hésitation peut-être face à une demande là. C'est vraiment le premier truc qui me vient, d'autant plus que j'attire votre attention bien sûr sur le fait que les couleurs de ces deux cartes soient parfaitement raccord, soient parfaitement assorties. On a vraiment quelque chose qui se tient très bien là. Donc, bon, le pape, c'est un pont aussi, hein, c'est un pont entre deux situations, hein, ne l'oublions pas. Donc peut-être que vous êtes en transition du point de vue amoureux ou dans un engagement, hein, au sein d'un engagement. Il peut y avoir une période comme ça un petit peu transitoire. Mais bien sûr, si on est là pour parler d'amour, eh ben, le pape, évidemment, ça va nous parler d'un engagement, d'un contrat hein, qui se signe, d'un mariage peut-être qui se célèbre. Bon, et ben nous allons bien sûr continuer donc avec l'oracle d'Isawat qui va nous parler d'amour, je l'espère, et qui va nous parler de vous de toute façon. Très très bien. Je ne sais pas si vous entendez le vent.
Est-ce que c'est gênant pour vous ou pas? Il y a une petite tempête là qui est en train de... Un petit orage d'été, je pense, qui est en train d'arriver. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions, mon amour, pour les lions, celle-ci. Pour les lions, septembre, s'il vous plaît. Mon amour, pour les lions, septembre. Ici et la dernière ici. Allez, voilà votre première ligne à million. Et c'est parti. Voyons voir ce pape, hein. Ce pape en amour. Le chat. Bon, alors on nous parle ici d'une période dont vous sortez, à mon avis, hein, du coup, puisque c'est la première carte. Donc pour moi, c'est l'énergie d'où vous provenez, hein, comme je dis à chaque fois. Donc le chat, bon, c'est une période assez sereine, finalement, quand même, assez tranquille, assez reposante, où il ne se passe pas grand-chose, mais bon, on est quand même confortable, on est sur un petit coussin à somnoler. On n'a pas non plus, on n'est pas complètement endormi non plus, on a quand même un œil ouvert, hein. On regarde quand même un petit œil sur ce qui se passe autour de nous, mais voilà, on peut être dans une forme peut-être d'ennui parfois avec le chat. Mais voilà, c'est une période en tout cas où il ne se passe pas forcément grand-chose. C'est un peu un quatre de coupe, si vous voulez, pour ceux qui connaissaient bien le tarot. Donc voilà, cette période du ce chat, à mon avis, c'est la période d'où vous sortez. C'est peut-être aussi ce pont, hein, cette période transitoire où peut-être il ne s'est pas passé grand-chose. D'accord, le message, donc un contact, une communication, un écrit qui vous provient suite à une grande période où il ne s'est pas passé grand-chose, comme je le disais. Alors bien sûr, on n'en est plus au pigeon voyageur, quoique ça peut être sympathique, mais voilà, un petit mail, un petit SMS, une lettre, pourquoi pas. En tout cas, une communication que peut-être vous attendiez et qui semble arriver ici au début du mois de septembre. Bon. Un échange peut-être de messages avec quelqu'un, peut-être sur les réseaux, pourquoi pas. Voilà, des messages écrits, en tout cas des échanges de messages écrits. Ah, le fric. Bon. Alors, pourquoi on me donne cette carte-là à cet endroit-là, je ne sais pas trop. Peut-être y a-t-il, par rapport à votre vie amoureuse, eh bien, des problèmes, des problématiques également matérielles et financières. On peut avoir quelque chose comme ça dans l'air, puisque avec ce fric, on vient nous indiquer quand même, voilà, que votre situation amoureuse ou que votre situation tout court. Eh bien, souffre peut-être de soucis matériels et financiers. Peut-être qu'on a des problèmes de cet ordre-là en ce moment. Peut-être que vous avez des problèmes de l'ordre du logement aussi en ce moment, parce que voilà, ça peut parler aussi de l'habitation, des possessions qu'on peut avoir au sein d'un mariage, par exemple. Bon, il peut y avoir des échanges écrits ici. En lien avec des questions matérielles. D'accord? Bon, c'est curieux, mais vous me direz en commentaire. D'accord, la matérialisation. Alors là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir, sur ce mois de septembre, matérialiser un truc qui vous tient vraiment à cœur. J'ai l'impression peut-être que... des soucis matériels ou des soucis financiers pourraient vous influencer. Et du coup, influencer un petit peu ce que vous vibrez dans l'univers, d'accord? Et pourraient risquer de modifier ce que vous allez matérialiser ici. Donc peut-être ici, y a-t-il un appel quand même, et donc on a à nouveau hein, cet appel à revenir à une forme de calme. Même si il y a des questions qui se posent, même si vous hésitez entre plusieurs options, même si vous avez des problèmes matériels, financiers ou de logement, ou on vous demande de surtout de ne pas vous laisser envahir par tout ça, de revenir à ce calme intérieur, parce que
vous allez pouvoir matérialiser quelque chose de chouette sur ce mois de septembre et qu'il ne faut pas que cette matérialisation soit influencée par cet affolement intérieur qui pourrait avoir lieu aussi. Est-ce que je suis claire? Alors peut-être que certains d'entre vous espéraient une reprise de contact par exemple ou un échange écrit avec quelqu'un. Bon, ben là, il peut y avoir une matérialisation qui se perd sur ce mois, ou peut-être que ce sont ces échanges écrits qui finalement vont permettre de matérialiser encore quelque chose d'autre dans un lien quelconque. Bon, je vais tout de suite aller chercher la seconde ligne. Donc, à l'autre. Il a pu y avoir, pour un certain nombre d'entre vous, les lions, une histoire de triangulaire à un moment donné de votre chemin. Alors que ce soit vous qui ayez été attiré par deux personnes en même temps, par exemple, ou votre autre qui était engagé par ailleurs, ou voilà, après, évidemment, toutes les combinaisons sont possibles, vous imaginez bien. Mais je pense que c'est cette triangulaire en fait qui a fait que vous avez eu besoin d'un moment comme ça de sérénité, de tranquillité, de retour à soi, de repos quoi. Tout simplement de repos. Être tranquille, être peinard ou être peinarde, j'entends. Parce que vous aviez été quand même un petit peu malmené émotionnellement et qu'il y a eu besoin voilà, de ce temps de pause en fait, de ce temps de transition, je pense, voilà, de ce chiffre 5, de ce pape. L'aurore. Alors, bon, visiblement, ces messages échangés, ce retour de communication, en tout cas par message, on n'est pas encore dans comment dire, dans le visu, hein, en tout cas pas pour l'instant, mais cette communication par message, visiblement, augure eh bien, d'un nouveau cycle, d'un nouveau jour qui se lève, d'un nouveau départ, d'une nouvelle aurore qui se lève. Et du coup, évidemment, hein, je vais mettre ça en lien avec notre As d'épée qui était si fort tout à l'heure dans votre tirage général. Donc oui, il y a bien un nouveau jour qui se lève pour un certain nombre de lions et, à mon avis, sur peut-être plusieurs sujets différents d'une certaine façon. Je pense que c'est donc aussi valable pour ce qui est de votre vie sentimentale et amoureuse. On peut ici avoir un nouveau cycle qui commence. Comme je le disais, un nouveau jour qui se lève. Alors, c'est juste à côté de la triangulaire, hein. J'ai quand même l'impression que peut-être ce nouveau jour se lève alors que peut-être certaines choses n'ont pas encore été vraiment réglées. Parfois, ça n'empêche pas, hein. Il n'y a pas de recette miracle dans aucun domaine. Peut-être une nouvelle façon de voir aussi cet épisode de triangulaire. Alors, à nouveau, j'attire votre attention sur l'omniprésence du violet, hein, dans votre tirage, dans votre. Bon, pour moi, le violet, c'est la transmutation. Alors, c'est la spiritualité, bien sûr, et c'est la transmutation alchimique, le fait d'être en résilience, par exemple, vis-à-vis de certaines choses, le fait de transformer des choses qui pouvaient être négatives auparavant en une force positive. Donc, pour moi, on est vraiment dans cette opération-là pour ce mois de septembre, pour vous les lions. Transformer quelque chose en positif et redémarrer sur un nouveau rythme, sur un nouveau projet, sur une nouvelle histoire, sur une nouvelle aventure. Ah, là, ouais. Mais le secret est toujours là. Le secret est toujours là. Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, le secret est toujours là parce qu'il y a une problématique matérielle et financière qui doit être difficile à régler. Donc là, bon, il y a quand même
un appel, enfin comment dire, un message très très spécifique à tous les lions qui se reconnaissent et qui sont dans une forme de triangulaire, voilà. Il y a encore des choses à vivre dans cette situation. Il y a un nouveau jour qui se lève dans cette situation. Donc peut-être un retour hein, de sentiments. Enfin, c'est pas dit, mais en tout cas, on commence un nouveau cycle dans cette situation. Mais je pense qu'on est encore dans une relation discrète, secrète. On est encore dans quelque chose qui n'a pas été complètement mis au jour. On est encore dans cette transition du pape, hein, pour moi. Voilà. Alors peut-être que ce que vous souhaitez matérialiser, c'est un aveu, c'est une, comment dire, c'est oui, une officialisation. Hein, peut-être que c'est ça que vous souhaitez matérialiser, pour certains, je ne sais pas. Hein. Encore du violet, hein, entre parenthèses. Hein, tout ça a trait aussi, touche aussi une forme de spiritualité, une forme de croyance, une forme de foi par rapport à cette relation-là. Le bambou. Alors, on va matérialiser quelque chose rapidement là sur ce mois de septembre, les amis. Parce que le bambou, pour moi, enfin, c'est la carte de la vitesse, de la rapidité, le truc, voilà. Et le truc qui, de toute façon, va advenir, quoi. Et arrive vite. Voilà. Donc là, il y a une matérialisation qui arrive très vite pour vous. Alors, soyez au clair, hein, sur ce que vous souhaitez matérialiser. Attention à ce que vous vibrez, hein, du coup, hein. Attention à ce que vous vibrez, les amis. Hein. Allez, je vais aller chercher la troisième ligne parce que c'est quand même une sacrée histoire là, hein, que oh là là, bah ouais, la responsabilité, de la culpabilité, bah ouais. Bon, bah oui, bien sûr, peut-être que certains d'entre vous vont ressentir une forme de culpabilité de se retrouver comme ça, à nouveau en triangulaire, ou recommencer une triangulaire, ou quelque chose de cet ordre-là. D'autant plus qu'il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait un mariage quand même, hein, qui soit, comment dire, dans votre histoire, hein, que ce soit vous qui soyez marié, que ce soit l'autre peut-être, je ne sais pas. Donc oui, il y a de la culpabilité que vous ressentez. Alors attention à ne pas vibrer cette culpabilité. Voilà, essayez de vous en défaire le plus possible, quitte à vivre. Ouais, si on décide de vivre quelque chose, il ne faut pas le vivre en traînant avec soi un boulet, ça sert à rien. Donc si vous décidez de le vivre, eh ben, vivez-le sans la culpabilité qui va avec. D'autant plus que voilà, cette culpabilité pourrait modifier évidemment ce que vous allez matérialiser. Donc vous vibrez quoi? Quand vous vous sentez coupable, vous vibrez une forme de culpabilité, l'univers va vous matérialiser quelque chose susceptible de nourrir votre culpabilité. D'accord? Vous savez comment ça, enfin, vous savez comment ça marche. J'essaye au fur et à mesure des vidéos, à chaque fois, bien sûr, de vous faire des petites piqûres de rappel du comment ça marche. Donc voilà, attention à cette culpabilité. Ça ne veut pas dire qu'on n'endosse pas sa forme de responsabilité. Attention, hein. La foudre. Alors, hein, ce nouveau cycle-là, ce nouveau jour se lève d'une manière peut-être un petit peu inattendue quand même. Un petit peu brutale, un petit peu... surprenant. Hein. Et on avait déjà un petit peu cette idée de brutalité avec notre as d'épée. Hein. Il y a quelque chose de très claquant pour vous sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose, voilà, qui est très... Alors on me donne vif et clair. Hein. Qu'est-ce qu'on m'envoie un truc que j'arrive pas à comprendre. Je vais essayer. Bon, je vais passer dessus parce que il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Vif et clair, c'est quoi? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui claque, il y a quelque chose qui... Ouais, qui est inattendu, qui peut paraître brutal d'une certaine façon, peut-être, mais c'est une opportunité, c'est pas du tout quelque chose de négatif, hein, bien sûr. Mais voilà, on peut avoir un truc quand même assez surprenant. C'est peut-être pour ça qu'on est dans comment dire, dans cette forme d'hésitation, cette idée un petit peu de panique sur ce mois de septembre et cet appel qu'ont pu vous faire les guides sur toute cette guidance-là
Gardez votre calme, revenez à votre calme, essayez de vous poser, respirez, restez calme, tout va bien, restez calme, voilà. Et là, est-ce que c'est une nouvelle, est-ce que c'est voilà, cet éclair de lucidité aussi peut-être qui vous arrive, comme je disais tout à l'heure avec l'as d'épée, cette prise de conscience, une prise de conscience fulgurante, ça peut être ça aussi, hein. Alors, et les pingouins, ouais, bah alors bon, bah ça c'est, pour moi c'était déjà un petit peu clair, on garde une forme de secret pour l'instant, et ça rejoint notre impératrice de tout à l'heure, etc., etc., hein, si je puis me permettre. Il y a quelque chose qui reste encore un petit peu caché, parce qu'il y a une famille à la clé, qui pourrait être impactée par tout ça. Il y a une famille, il y a une maison, il y a voilà un foyer. Pour moi, ça fait partie des choses pour lesquelles, à cause desquelles ou grâce auxquelles, je ne sais pas comment le dire, pour l'instant, tout ça reste encore un petit peu caché. On est encore, à mon avis, dans une relation discrète. Alors attention avec la foudre, hein, peut-être que la boîte va s'ouvrir, hein. Peut-être que quelqu'un va ouvrir la boîte de Pandore, hein, sur ce mois de septembre. Mais ça n'apparaît pas tel quel, hein, si vous vous affolez pas pour ceux qui pensent que c'est pas encore le bon moment. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, mes chers guides. Ah, la balance. Bon, ah, comment vous dire que tout à coup je me détends un petit peu. Donc bon, tout ça, oui, c'est une période qui est un petit peu, qui a l'air d'être un petit peu dantesque, ou en tout cas qui est assez importante quand même pour la suite, mais qui amène en fait, voyez, en cette fin de tirage, on revient à une forme d'équilibre, on se retrouve dans une forme d'équilibre. Il y a certaines choses qui se guérissent, il y a certaines choses qui se rééquilibrent. À l'intérieur de vous, bien sûr, mais aussi dans votre situation. Donc, bon, voilà, un rééquilibrage est en cours, visiblement. Même si je me demande bien, finalement, comment dire, à quoi ça va ressembler le mois d'après, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me demande bien quel est ce nouveau cycle et quelle forme votre relation ici va prendre. Bon, et eh ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, hein. Je pense que là, pour de bon, les gens à qui ça s'adresse se seront sans aucun doute reconnus, voilà, très facilement, hein. On a quand même tout un tas de détails. Allez, et maintenant, eh bien, mes amis, pour clôturer cette guidance du mois de septembre, je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2. Et la carte numéro 3, de manière, j'ai pas regardé ce qu'on a eu dans d'autres decks, le schéma. Ouais, peut-être que répétition, voilà, ça ne doit pas être la première fois, hein, cette problématique-là se pose par rapport à cette triangulaire. Hein. Allez, j'arrête. Des fois, j'arrive pas à m'arrêter. Donc là, à vous, mes amis, de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 pour avoir votre dernier conseil, plus précis donc que si je n'en tirais qu'une pour tous. Allez, carte numéro 1, s'il vous plaît, elle est là. Carte numéro 2. Non. Et la 3, ici. Allez, je vous laisse une mini fraction de seconde pour choisir entre la carte numéro 1 qui est ici, la carte numéro 2 qui est là et la carte numéro 3 qui est celle-ci pour avoir votre petit conseil ou dernière phrase ou petit clin d'œil d'un maître ascensionné. Merci. Ah bah, non mais. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, on a Melchisedec avec loi spirituelle de l'attraction. Donc c'était précisément ce que j'étais en train de vous rappeler tout à l'heure, quand à partir du moment où on a cette carte de la matérialisation, où on sait qu'on va pouvoir matérialiser quelque chose dans la période dans laquelle on entre, eh bien
Ce qu'on va matérialiser va se matérialiser en fonction de ce que l'on vibre, comme nous le dit cette loi de l'attraction. Mais parfois, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on vibre à peu près l'inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Comme quelqu'un, par exemple, voilà, qui attend le retour, par exemple, d'un être aimé, eh bien, sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à vibrer le manque, de l'être aimé, et du coup, l'univers va nous matérialiser de quoi nourrir cette vibration de manque. Donc, on n'obtient pas ce que l'on souhaite, on en obtient l'inverse. Donc, voilà, c'est ça qui est un tout petit peu difficile à comprendre et surtout à mettre en œuvre. Donc moi, dans ces cas-là, je fais l'exercice du et si, hein, qui m'a été transmis par quelqu'un que j'embrasse d'ailleurs au passage. Donc je fais l'exercice du et si, voilà. Et si ce que je souhaiterais voir arriver dans ma vie était déjà là? Comment est-ce que je me sentirais? Et puis je laisse monter en moi eh bien, la vibration que cette possibilité dégage, et du coup je pose mes demandes à partir de ça au lieu de poser mes demandes à partir du manque. Enfin bon, voilà. Donc, hein, pour tous ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, clairement vous allez matérialiser quelque chose sur ce mois de septembre. Attention à ce que vous vibrez parce que ça va se matérialiser à partir de ça. Zou, ceux qui avaient choisi la carte numéro 2, hein, nous avons Paramahansa Yogananda qui vous dit: choisissez la paix. Et, hein, c'est pas comme si on vous l'a déjà dit, sans vouloir. Voilà. Choisissez la paix. Les amis lions, les moments de ce mois de septembre qui vont sans aucun doute avoir lieu, où vous allez vous sentir comme une cocotte minute, où vous allez vous sentir paniqué face aux différentes options, face voilà, à tous les questionnements que vous allez pouvoir avoir, ou voilà, tous ces moments où vous allez sentir de la tension, vous allez sentir, voilà. Faites l'effort, on s'assoit, on respire à fond, on se pose, on revient en soi et on va chercher le calme en soi, le point de calme en soi qui est toujours existant. De manière à ne pas subir en fait ce que vous allez expérimenter. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose de joli qui se passe pour vous, il y a un rebond sympathique qui se passe pour vous. Donc vivez-le comme tel et pas comme quelque chose de trop bouleversant ou de trop paniquant. À tout moment, on peut choisir d'aborder les choses en étant en paix à l'intérieur de soi. Hein? Forcément, pour être en paix à l'intérieur de soi, ça, bah, hein, il faut le mettre, faut le libérer. Hein? Et pour ceux qui avaient choisi, ah tiens, la carte numéro 3, un conseil pour de bon aussi, très très pragmatique avec Epona qui vous dit Christo. Christo, toutes celles et ceux qui aimaient la lithothérapie, qui vous y intéressaient, qui y croyaient, qui avaient des petites pierres dans vos intérieurs ou dans le fond de vos poches, ou voilà, eh bien, on vous dit clairement que ils vont pouvoir vous aider sur cette période de vie. N'hésitez pas à y avoir recours ou remettez-vous-y si vous les avez laissés tomber un petit peu ces derniers temps. Ceux aussi qui se sentaient un peu attirés par ça, mais qui n'étaient jamais encore allés en profondeur, et ben c'est le moment de vous y mettre. Voilà, vous allez avoir un lien spécifique avec les cristaux sur ce mois de septembre. Et je relis bien sûr ce message avec le message qu'il y avait en début de tirage par rapport à votre lien à la nature. Vous avez besoin, les amis, de vous reconnecter encore plus ou encore mieux. J'espère que vous entendez ma voix avec le vent, que vous voilà, c'est le bon moment, comme je vous disais. Je sais pas pourquoi le vent se m'a soufflé comme un fou là tout à coup. Est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est pour renforcer encore ce que j'étais en train de dire, je sais pas. Bref, donc ce mois de septembre, c'est un bon moment pour vous reconnecter à la nature, à notre belle planète, à notre mère Gaïa. Et donc vous pouvez, entre autres, passer par les cristaux, visiblement, pour refaire cette reconnexion à la nature. Voilà.
Eh bien les amis, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura parlé et que vous aurez surtout passé un agréable moment en ma compagnie, d'accord? Avant de me quitter, ben, c'est gentil de liker, de partager, de commenter. Ça fait vivre la chaîne, ça me soutient, c'est important pour moi. Donc merci d'avance, merci pour vos abonnements également. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas, hein, rendre une petite visite à mon site internet. Le lien est sous chaque vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse tous hyper fort, je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage, gros bisous et puis ben, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!